Salut tout le monde, ici Charles Deschamps, nouveau projet. Si t'as envie de voir c'est quoi la vie d'humoriste en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube. Sinon, je suis en spectacle partout au Québec et au charlesdeschamps.com. Épisode numéro 103 avec Louis Courchaine, mesdames et messieurs. Et l'épisode est commandité par Pro Cafetière. Pro Cafetière qui nous a déjà commandité. On a une belle collabo avec eux. J'ai une machine à café de chez Pro Cafetière. Tu vois-tu comment j'ai de l'énergie maintenant? Ça, c'est malade. C'est malade. Pro Cafetière, si vous ne connaissez pas, c'est non seulement une boutique en ligne, mais ils ont leur boutique à Varennes. Et c'est un service de vente de produits de cafetière, de café, de réparation. Il y a tout pour vrai. Partout au Québec, le service se fait en 24 heures. Et c'est ce qui est cool, c'est en fait, c'est une entreprise familiale. C'est Benoît. Surtout des gros fans du Gang Show. Oui. Ils se rappellent d'affaires que j'ai oubliées qui se sont passées. Oui, oui. L'équivalent de lire des commentaires d'un épisode sur YouTube, puis que ça fait 4 mois qu'on l'a capté, on est comme, hey, je sais pas de quoi tu parles, mais là, je sais de quoi je parle. Je parle de Pro Cafetière. Même Mario Tessier est un client. Yes! Mario! Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Tu as vu quand lui aussi a l'air réveillé pour un bonhomme de 80 ans? C'est méchant, Mario, je suis désolé, je t'aime. Mais Pro Cafetière, suivez ça, allez voir ça si vous êtes des fans de café. Voilà, donc on part cet épisode-là. Mais avant, je suis en spectacle. Va voir mes dates de show sur mon site anthonyremillard.ca ou .com. J'ai plein de dates en novembre, décembre, il y en a aussi. Puis ça continue en 2024. Bon épisode. Badaboum! Que s'il vous plaît, veuillez accueillir notre prochain juge, le Louis Courchaine! Comment tu vas, Louis? Ça allait bien, mais là, j'ai essayé de serrer la main de quelqu'un qui peut faire un fist bump, ça va mal. Hop-a-lay. Ouais. Oh, je suis vieux. T'es pas si vieux. Louis, moi, je t'ai vu sur scène au bordel là, quelques semaines, puis faut que tu fasses plus de stand-up. Ah, c'est gentil, merci beaucoup Charles, j'essaye, je veux en faire plus. Ça, j'en faisais avant, mais c'est ça, ça a été, j'ai eu une longue pause. T'as-tu l'intention d'en faire plus? Ben oui. C'est plaisant, j'aime ça. C'est sûr que tu sais, c'est demandant, c'est difficile. Faut affronter le public, puis quand t'as un style d'humour qui colle pas nécessairement, là, je parle des gens qui sont passés tantôt. Là, oui. Je pense que c'est plus difficile encore. Ouais. Là, est-ce qu'on t'appelle Louis ou le Louis? Ah, tu m'appelles comme tu veux. Tu m'appelles Paul, si tu veux. Parfait, Richard. Louis, c'est parfait. OK. Ouais. Louis, juste Louis? Oui. Parfait, c'est bon. Oh, ouais. Je le disais pour notre gars de médias sociaux. C'est mon nom. Là. Oui, mais c'est le Louis partout, puis c'est pas ton nom. Oui, mais ça, c'est en affaire du DA. Là. Il faut que je m'appelle le Louis parce qu'il y a un autre Louis Courchaine. Ouais. Il ne voudrait pas voler son argent. Là. C'est 30$ qu'il fait par pub. Là. Fait que non. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes en arrière? Oh, ben les NFT, boy. Les NFT. Sincèrement, la bulle est pas encore éclatée. Allez-y, à fond la caisse. Tout ce que vous avez, go. Et c'est sur ce meilleur conseil qu'on a jamais eu au Gang Show qu'on va commencer cet épisode-là. Charles, avec Olive Kelly, s'il vous plaît. Ça va, le Gang Show? Wow. Salut. Écoutez, c'est la deuxième fois que je viens ici. Ben, la première fois, je suis venu, j'ai pas eu le temps de dire grand-chose. Hein. Si ce n'est le fait que je suis précoce, comme Anthony. J'ai su ça il y a pas long. Et que aussi, je suis vachement stressé et anxieux. Et avant de monter sur scène à chaque fois, ben, je me branle. Comme Charles, je sais pas si... Désolé, Charles. Alors, je suis ici... Et ici, j'ai choisi de prendre les devants. Et je vais raconter une anecdote 100% vraie. Sans rigoler, 100% vraie. Je m'installe. J'ai vraiment une coiffure de merde, ça me rend dingue à chaque fois. Attends. Oh. À chaque fois, ils ont le stylo levé. Et chaque fois, je crois qu'ils gongent, mais t'es trop loin du gong, toi. Hein. Ouais.
Il est trop mignon, ce rire. C'est qui? C'est qui? On dirait une luciole, c'est quoi? Non, je vais raconter une anecdote 100% vraie. Alors, je vous jure, j'ai découvert, au-dessus de chez moi, il y a un ostéopathe et un proctologue. Un ostéopathe, c'est une... Mais là, j'arrive. Un ostéopathe, c'est une personne qui te... pour ceux qui savent pas, un ostéopathe, c'est une personne qui te soigne en profondeur. Donc, c'est une personne qui corrige ta posture, qui te soigne et que t'as une tendinite, tu vas voir un ostéopathe. Donc, il est là pour prévenir, soulager et guérir. Un proctologue, il est là pour soulager, mais il prévient pas. C'est... Oh, putain, fais chier. C'est une personne qui te met juste un doigt dans le cul. C'est tout ce qu'elle fait. Elle arrive. Attends, je vais faire la mimique. Les consultations, ça fonctionne comme ça. C'est ça. J'enlève le doigt. Je goûte. Non, non, non. Oui. Je goûte. Je goûte, monsieur. Il manque du fer. Vous avez pas mangé assez de viande rouge. Attends, je reviens à l'anecdote. Nos trois portes d'entrée sont collées. La vie de ma... Je te jure. Ok. Nos trois portes d'entrée sont collées. Et je vois pas souvent les clients de mon ostéopathe. Il y en a beaucoup. Attends. Il y a beaucoup de clients de mon ostéopathe qui passent devant chez moi. Ok. Le proctologue, j'y vois pas. Ouais, apparemment, il passe toujours par derrière. Oh my god! Olive! Brice de Nice! Brice de Nice! Ah! Là, je le reconnais! Ah ouais! Je le reconnais! Je suis désolé, Anthony, à chaque hein? fois. Eh oui, je sais. Soulagé. Moi, en vrai, ma copine avait rigolé. Hein. Mais juste ma copine. Rigolait de quoi? Ou juste... Je... Parce que moi aussi, tu ma parles, copine mais rigole. Je sais pas à qui, jamais. Ben, c'est ce que j'allais dire. Je pense que t'as besoin de faire le test, t'es clairement TDA. Parce que à chaque fois que quelqu'un avait une réaction quoi que ce soit, t'arrêtais. Et tu sais que c'est drôle, mais j'ai découvert par quelqu'un d'autre que je suis TDA. Ben, je viens de te le faire découvrir. Je sais, je suis là. Tu sais, je te dis, t'es trop attentif à ce que les gens disent et font. Peut-être te concentrer sur ton texte et ce que tu nous livres, parce que j'ai juste entendu doigt dans le cul. Honnêtement, le reste, t'as des réactions, puis tu nous regardais beaucoup. En fait, ce qui me déçoit, c'est que la dernière fois que je suis monté sur scène, c'était au Gong Show, et c'était exactement la même chose, en fait. C'était juste, ben, je me suis branlé, et là, ça a pas évolué. Je suis désolé, je suis frustré, les gars. J'avais une anecdote prête, j'avais même récité à un de mes collègues humoristes le texte dehors, tout allait bien. Là, je me suis chié dessus. Comment tu fais pour survivre dans la vie? J'ai l'impression que t'es pas capable de faire tes impôts, ton épicerie, de payer tes shit. Est-ce que t'as un tuteur légal? Tu sais. Ben, tu sais, pour faire caissier. Ses impôts, faudrait qu'il y ait un salaire. Ouais, bah. C'est un petit cagounet, tu sais, t'as eu une grosse réaction. Tu sais que je suis caissier à la base, et le problème, c'est que cette responsabilité, bah, tu dois pas faire d'écart dans la caisse. Ouais. Tu sais, t'as de l'argent dedans. Tu sais quoi de caissier, ouais. Ouais. Ben voilà, je vais pas t'expliquer plus que ça. Non, ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, j'ai fait une grosse connerie. Sans déconner, j'ai fait une grosse connerie parce que il y avait une dame qui avait commandé. Oula, je raconte beaucoup trop ma vie, là. Et elle avait commandé un éclair au chocolat. Mais tu sais, pour un éclair au chocolat, tu sais, ça vaut 5$. Et en fait, je me suis gouré de gâteau, j'ai mis un gros gâteau au chocolat pour 10 personnes. Et du coup, elle a facturé. Et j'ai fait ça pour plusieurs personnes, parce que la case où tu coches, c'était, je croyais que c'était l'éclair au chocolat. Donc j'ai fait ça pour plein de clients. Et le problème, c'est que tous ces clients... Mais ça explique quoi? Et c'est à cause de lui que Juliette et Chocolat a fait faillite. Ah, ouais. Tiens-toi loin de Gino Chouinard, please. Oh mon Dieu. Il y a quelque chose que j'aime chez toi, puis je sais pas si c'est comme
un chaton qui est attendrissant parce qu'il est pas capable de se débrouiller tout seul. T'as quelque chose de... Je sais pas, c'est-tu ton look? On dirait un emo qui est devenu surfer. Oui. Je dois répondre, là? Est-ce que... Mais non! Est-ce que tu cherches à t'améliorer en humour? Je veux absolument m'améliorer. Mais sans déconner, j'avais mon texte, j'avais l'anecdote et tout. Et j'avais des punchlines. OK. Bon, qui n'ont pas fonctionné au début. Mais non, mais je pense... J'avais une idée... ça allait durer beaucoup plus longtemps que ça. Et franchement... Mais t'as appris ton texte aujourd'hui? Non, mais c'est une vraie question, en fait. C'est non, que sans rigoler, je l'ai écrit dimanche. OK. Par rapport à une anecdote que j'avais. Et puis, je l'ai finalisé aujourd'hui. Mais s'il faut être sincère, c'est peut-être pas juste non maîtrise du texte, plus que la réaction par rapport à ce que les gens vivent dans la salle, puis nous autres, tout ça. Je pense que tu regardes énormément le public et les gens qui sont autour, ouais. Puis c'est cette réaction-là qui t'empêche d'aller au bout de ton idée ou de ton gag. Fait horrible. Que ça devient juste un numéro de... Ouais, mais c'est exactement ce qui se passe. Son rire m'a fait... J'avais mon texte. Et son rire m'a fait... Pff, j'ai dérivé direct. Ben, t'es peut-être plus un public dans ce cas-là. Je sais pas. Comment fermer une carrière? On est bon, là. Non, mais... OK, focus, concentration, prochaine fois. Tu sais, t'as le contrôle de la salle quand t'as le micro. C'est pas le public qui contrôle ton numéro, c'est toi qui contrôle le public. Ouais. C'est je l'aime, c'est que je l'aime. Mais pour vrai, deux trucs si tu veux réellement t'améliorer puis en faire plus, écris et apprends tes textes d'avance, plus que deux jours d'avance. Ça c'est première base, vraiment. Surtout si tu le sais que t'es disparate sur scène puis que tu perds le focus, puis c'est à force d'en faire que tu vas ne plus être déconcentré par ce qui se passe. Mais sans rire, j'avais mon texte en tête. Hein. Je l'ai déjà dit. Ça. Ça, c'est encore trouble de l'attention. Y a-t-il quelqu'un que tu concertas dans la salle, s'il te plaît? J'avais vraiment mon texte en tête. Olive Galli! Bravo! Ah, là, là. Et on continue ça avec Johnny Hooker! Johnny Hooker! Ben ouais. Bonsoir, mesdames. Messieurs. Mon nom, c'est Johnny. Johnny et Johnny Hooker. Je suis acteur porno professionnel et bisexuel maintenant depuis à peu près 4 mois. J'ai pas eu bien le choix, là. Mettons que l'industrie me l'a forcé dans le cul pas mal. D'ailleurs, justement, là, j'arrive justement d'un tournage d'un film gay. Puis, le film s'intitulait « J'ai pas assez de trous pour toutes les queues que je veux dans moi ». D'ailleurs, ben, c'est à cause de ça, les menottes, là, sont perdues quelque part dans mon trou de queue, ils ont pas retrouvé. Puis, la scène finale, c'était pas longtemps, ça fait juste 2 heures. Ça fait juste 2 heures que j'étais arrivé. La scène finale, c'était 4 gars synchronisés en formation libellule. 2 qui me venaient dans mes oreilles, 2 autres dans mes narines. Puis pour être bien synchro, il a fallu reprendre le take 8 fois. Ça fait qu'à la fin, j'avais l'air d'une strudel. Ah, oh, la gomme vient de tomber. Je suis venu voilà, une couple de temps faire mon audition pour travailler chez Lensbanger Productions. Mais si je suis ici ce soir, c'est pour venir dénoncer un fléau qui gangrène l'industrie de la porn depuis déjà trop longtemps. C'est-à-dire les bonhommes 3D digital avec des grosses queues. Puis là, faites pas semblant de pas savoir de quoi je parle. Je suis certainement pas tout seul ici qui s'est déjà crassé sur un cartoon. Bon, on sait qu'il y a Charles qui se crosse sur Speedy Gonzalez. Puis toi, je te regarde, puis il me semble que t'as l'air d'écouter la petite sirène encore, mais plus pour les mêmes raisons. Puis on fait un remake du lièvre puis de la tortue. Un beau petit lièvre avec des totons puis des mamelons roses, roses, roses.
500 millions de views sur Pornhub. Ça, c'est parce que le monde sont tellement rendus avec des kinks fuckés, là, qu'il faut que tout soit fait par ordinateur pour satisfaire leurs petits besoins. Parce que, avant... Johnny Hooker! All right. J'ai la clé, pas besoin d'aller fouiller, faire de l'archéologie. C'est bon. On avait pas l'intention. J'aurais donc ton numéro, puis je me disais, finalement, un tatou dans le cou, t'es pas une si mauvaise idée. C'est quoi qui est marqué dans ton cou? Lanterne. Pourquoi? Aïe, aïe. Parce que je suis vraiment fan de Green Lantern, tu sais, le petit super-héros. Là. Ouais. Non, c'est pas vrai. Mais c'est quoi? C'est quoi? Ben, je trouvais le mot le fun, phonétiquement, je le trouve le fun. C'est tout. À Star, tu sais, le monde font des tatous pour aucune astuce de raison, tu sais. Fait que. Ben, j'en fais partie. C'est OK, ben, c'est bon. Mais. C'est un choix. Johnny, je dois dire que t'étais venu au Club Soda, puis c'était ton premier numéro à vie. T'avais été super bon. Puis c'était super cool ce que t'avais fait. Là, je pense que t'as pris peut-être pour acquis que tous les gens qui écoutent le Gang Show, y compris les gens dans la salle, t'avaient vu et avaient le référent de Lensbanger Production. Ça n'a pas été le cas, puis je pense que tu t'es appuyé là-dessus, puis ça a donné le résultat que ça a donné ce soir. Juste pour le fun dans la salle, qui connaît Lensbanger Productions? Quand même! Okay. Non, ben, qui a aucune calliste d'idée c'est quoi Lensbanger Productions? C'est mitigé, ouais. Je voulais juste le name drop, mais je voulais pas comme tout orienter mon numéro sur ça, mais je voulais juste quand même glisser le référent. Là, ouais, ouais. Mais je pense que t'aurais gagné encore une fois à le renommer que c'est un hommage, puis un peu que t'es dans le l'univers de Lensbanger, ça t'aurait aidé dès le début, je pense. Mais après ça, versus la dernière fois, t'allais, tu jouais avec une zone sensible, puis tu jouais avec la ligne, puis il y avait un peu la force d'écriture qu'on reconnaît chez JP Ringuet. Avec des référents un peu littéraires puis tout. Là, il y avait rien de tout ça, c'était juste du doigtage de cul, fait que c'est un peu ça là qui est arrivé. J'ai moins embarqué. J'aurais aimé ça vous dire à la fin, j'ai fourré macaroni tout garni, mais ah, ça aurait tout changé. Mais là, vu de même, c'est vrai que si t'avais dit ça, ceci dit, c'est que c'est un sujet qui est quand même, ben, tu sais, t'es rentré dans les clichés un peu de la pornographie, puis ce qui est comme, ben, il y avait rien de très surprenant pour moi, puis le personnage, parce que c'est un personnage. Oui. Ben, t'aurais le droit. Je veux dire, c'est un autre choix comme le tatou dans le cou, mais tu sais, je pense qu'il aurait peut-être mérité d'être un peu plus investi, parce que quand on fait un personnage comme ça, j'ai l'impression que tu parles de même d'envie pour vrai, puis que c'est un peu ta pose de voix, puis c'est un peu comme la façon dont tu nous aurais livré le même texte. Fait que tant qu'à faire un personnage, je pense que tu peux peut-être t'amuser à ne serait-ce que l'investir un peu plus, puis ça nous aiderait justement à faire comme « Ah, c'est un perso », tu sais, c'est sûr ouais, que… Ouais. Ton nom, c'est-tu en lien avec John Lee Hooker? Mon vrai nom? Non, ben le nom de Johnny Hooker, c'est-tu en lien avec le bluesman ou il y a aucun calice de sang? Ben, Hooker, c'est parce que je disais la première fois que j'ai un pénis en forme de CCD, fait que ça fait comme un genre de hook. En forme de CCD, fait qu'il y a comme une petite affaire en dessous. Genre un petit, c'est ça. Fait que, une petite tumeur qui pend en dessous. Le hook. Là. Okay. Ouais, ouais. Cool. C'est rare que je dise des affaires très intelligentes dans ce show-là, mais il y a une phrase comme après à l'école de l'humour que je trouve qui est très intéressante en humour, c'est que quelqu'un qui est intelligent qui dit quelque chose d'intelligent, c'est pas drôle. Quelqu'un qui est stupide qui dit quelque chose de stupide, c'est pas drôle. Mais quelqu'un qui est intelligent qui dit quelque chose de stupide, c'est drôle. Puis quelqu'un de stupide qui dit quelque chose d'intelligent, c'est drôle. Fait que là, si ton personnage, c'est un gros nono épais, il faut que tu dises des affaires brillantes. Puis là, il y a un gros clash qui se passe, puis là, que ça crée du rire. Là, c'était un personnage nono niaiseux qui faisait des jokes de nono niaiseux. Okay. Tu sais, il a fallu que tu amènes ça à un autre niveau qui est quasiment. C'est chose ça que tu avais faite au Club Soda. Fait que t'as cette intelligence-là d'écriture. À soir, c'était pas ça, malheureusement. Fait que, c'était Johnny Hooker, tout le monde! Johnny Hooker! On vous dérange en plein milieu de l'épisode pour vous remercier de nous regarder. Cliquez sur like, partage, abonne-toi pour vrai à la page YouTube du Gang Show. Sinon, si tu l'écoutes audio, à la page Spotify ou peu importe sur quelle plateforme tu l'écoutes. Surtout, si tu veux venir voir le show en live, qui est l'expérience la plus fun au monde, il paraît qu'il y a le Cirque du Soleil, puis nous autres.
Oui. Puis ceux qui n'ont pas vu parce qu'il écoute audio, il a monté sa main. Il n'a pas descendu. Mais pas tant, tu sais, je voulais pas être arrogant. Là. Non, non, juste réaliste. Réaliste. Ouais. Fait que venez voir ça pour vrai, c'est une ambiance complètement folle. Mais pour se faire, il faut s'abonner au Patreon. Pour se faire, on dirait que tu lis un texte. Mon écran est noir. Oh, on vous laisse retourner à l'épisode. Ouais, mais sinon, on est en chaud, Charles et moi, chacun. Allez voir nos. charlesribillard.qc.ca. Bon reste d'épisode. Et on continue ça avec Stacy Deschamps! Salut tout le monde! J'aimerais ça savoir, là, par applaudissement, qui ici que votre mère est tombée enceinte par accident pour vous avoir? Pour ceux qui n'ont pas applaudi, là, je veux pas être plate avec vous, là, mais votre mère vous a menti. C'est sa job de maman de combler vos besoins d'amour et d'appartenance dans la pyramide de Maslow. Bien désolée. Moi, j'ai su que je n'étais pas un enfant voulu quand ma mère m'a expliqué pourquoi elle m'a appelée Stacy. Ouais. Quand elle était enceinte de moi, elle a vu un accident d'autobus aux nouvelles et la seule personne décédée, Elle s'appelait Stacy aussi. Elle a full essayé de me rassurer en me disant qu'elle trouvait ça vraiment beau comme nom, là, mais sincèrement, j'ai commencé à avoir peur d'elle là, quand, à 13 ans, m'obligeait à prendre l'autobus pour mes déplacements. Puis que ma sœur, elle est plus vieille en plus, elle avait toujours des lifts. Tant qu'à parler de ma sœur, j'aimerais ça vous parler d'un truc qui nous a beaucoup marqué. Quand j'avais 7 ans et elle 9 ans, nous avons appris que nous n'avons pas le même père. Mais au moins, ça nous a permis de comprendre pourquoi nous sommes aussi différentes. Elle était belle, moi j'avais un nez de cochon. Elle disait la vérité, moi je mentais tout le temps. Moi, mon père m'aimait, le sien est parti avant sa naissance. Par contre, la plus grande ressemblance qu'on a, c'est que les deux, on a des gros daddy issues, là. Des bons, là. T'sais, notre première figure masculine, ça a été mon père alcoolique. Pour vous donner une image, là, c'est comme si l'homme qui vous a élevé, c'était Éric Lapointe. Quand mes parents se sont séparés, mon père a arrêté de boire et a commencé à fumer du cannabis. Tout ce que ça l'a fait, ça l'a été de changer les trous dans les murs pour des trous dans sa mémoire. On va se le dire, là, c'est un peu plus difficile de cacher les trous dans les murs avec... Excusez-moi. On va se le dire, là, c'est un peu plus difficile de cacher les trous de mémoire avec des dessins. Stacy Deschamps! J'ai vraiment frappé le gong doucement. Je me suis dit, comme si je le frappe fort, elle va peut-être être PTSD de son père. Stacy, es-tu ta première fois sur scène? Oui. OK, parfait. Good job. Ouais, à toi. Ça m'enlève tous les gags de Rose que je préfère. Vas-y! Non, mais c'est ça, ça paraissait parce que pour vrai, t'avais des bons gags, mais qui étaient tellement mal livrés qu'ils tombaient à plat. Mais s'ils étaient livrés avec une confiance, là, ça aurait tout changé. Mais c'est qu'il y avait tellement de tics de quelqu'un qui monte sur scène pour la première fois, t'expirais dans le micro après chacune des phrases, fait qu'on entendait... Ouais. On entendait beaucoup, beaucoup ça. Tu l'entendais aussi? Oui. Mais c'est normal, là. C'est tough au début. Puis, mais j'étais pas étonné que tu avais des daddy issues. J'étais quand même pas étonné. Puis pas par le manque de confiance, là. Non, c'est correct.
Je me suis surpris, tu sais, c'était comme... Tu t'es bien repris. OK! Ben oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des super bons gags là-dedans qui... Je pense que des fois, quand t'apprends ton texte, t'oublies un peu c'est quoi le gag, fait qu'il était livré d'une façon, d'une drôle de façon, peut-être de juste te rappeler pourquoi c'est drôle cette affaire-là, puis de laisser tomber, mais toi, nous avons, nanana, tu sais, comme y aller dans les illusions, puis faire comme, regarde, comment tu jaserais, comment tu nous parlerais okay. de tout ça, d'être plus dans le... Ça me semble c'est drôle, je t'en parle, tu sais, plus que de savoir exactement les mots que tu veux dire, tu sais. Puis, mais ça m'a rendu triste, ceci dit ton numéro. je trouve que le sujet est fort, mais à un moment donné, c'est ça, il faut que les gags soient forts aussi, parce que sinon, ça devient comme un... Ah ouais, c'est vrai que c'est rough, là, que ton père faisait des trous dans les murs. Moi, ça m'a rendu triste, ben, je sais pas. Moi, j'ai quand même été chanceux dans mon enfance, on avait des murs en briques. Ben oui. Ton père avait pas de bras aussi. Ouais, c'est ça. C'est les bas de porte qui étaient cassés. Kiquait. Ouais. Ben Stacy, moi j'adore l'humour rêvé, j'adore aller dans ce sujet-là, mais il y avait tellement de sujets rêvés, tu sais, que vous appreniez que vous n'avez pas le même père, que ton père est alcoolique, tu sais, ton oncle était en lien avec un enfant mort, tu sais, comme il y avait trop de prémices. Ben Stacy, c'est un enfant qui est mort dans un autobus, ouais. On a compris ton oncle. Ouais. Non, j'aime. Ouais. Non, mais. Je prononce mal, mais. Oui, oui, oui. T'as dit ça. Ton oncle est marié avec un enfant mort. Ouais. Peut-être. Mais surtout, si t'as 3 minutes, tu peux en exploiter juste un de ces sujets-là, okay. Puis vraiment avoir du fun là-dedans. Puis, je pense que le monde sont game d'aller dans le sujet du mot noir, mais ce qui est le fun, c'est quand la victime gagne. OK. Genre, mon père était alcoolique, mais ce que je faisais, c'est que avec ses bouteilles vides, j'ai ramassé, j'allais porter au dépanneur, puis c'est avec ça que je trouvais l'argent pour patcher les murs. T'sais, comme, okay. Tu peux t'amuser à trouver des solutions, puis à gagner, à donner l'impression que tu gagnes, parce que je suis pas sûr que tu as gagné dans cette situation-là. Mais. Non, je n'étais pas spray, finalement. Pour gagner, il faudrait que tu dises mon père est alcoolique, mais moi, je le suis plus. Ouais. C'est ça, gagner. Mais c'est ça. Si tu as un réel désir de faire ça, je te dirais de remonter sur scène, puis c'est ça, d'aller exploiter avec les trucs qu'on t'a donnés, parce que tu sais écrire, t'as du vécu vraiment intéressant, mais là, après ça, c'est de trouver une aisance sur scène. OK, c'est bon. Ça ressemble à ça. Ouais, merci. Stacy Deschaines! Stacy Deschaines! On me dit que Mathieu Dastou t'a aidé avec les textes. On reprend plus jamais ce gars-là. Non, mais c'est un de mes amis, je trouve ça juste drôle de le dire. Et on continue ça avec Sam de Mike. What's up, le gang show, vous êtes en forme? Yeah! Fait que bref, moi, la première fois, je me suis crossé sur macaroni tout garni, c'était... Non, je niaise, on n'a pas le temps. Mais je me sens tellement noir en ce moment, comme dans une salle comme ça. Je me sens tellement noir, j'ai l'impression d'être premier ministre canadien. C'est incroyable. Fait que bref, moi, mon nom, c'est Sam. Samy pour les intimes. Retourne dans ton pays pour mes voisins. Puis bref. Ouais, des fois, mes parents aussi. Mais ouais, je suis content d'être avec vous, guys. Moi, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il y a une madame qui m'a arrêté dans la rue, genre de nulle part, fucking nowhere. Genre. Comme, hey, on t'a-tu déjà dit que t'as ressemblé à Grégory Charles, toi? Là, j'étais comme, fuck you, premièrement, je suis pas si laid que ça. Puis deuxièmement, je te paye pas pour que tu me parles, finis ta danse. Fait que là, je sors. Dernière fois que je vais chez Paris. Arc! Ah, c'est triste. Non, fucking triste. Non, mais pour vrai, je suis content d'être avec vous, man. Je suis revenu de Belgique il y a pas très très longtemps. J'avais des shows, you know, c'était nice, beau séjour. J'ai juste pas aimé le vol économique, tu vois, aller-retour. Parce que quand tu voles en économique, c'est là que tu te rends compte que t'as vraiment rien foutu de ta vie. Comme t'es vraiment, c'est aussi décevant que graduer de l'UQAM. Tu vois, c'est vraiment arc. Puis c'est pas juste que tu voles en économique. Tu vois, ce que je veux dire, c'est avec qui t'es assis en économique. Tu sais, pendant 7h30 de vol, guys, man. J'ai la vieille madame russe à côté de moi qui me parle tout le long du vol à quel point c'était tragique, la guerre froide. Puis à ma droite, j'ai le gros lard de 550 livres que lui, à chaque 2 minutes, genre, il sortait des galettes de sa poche. Genre, l'emblème du diabète, c'est lui. Tu vois, c'est comme... Lui, il meurt demain, son héritage, c'est une boîte de Timbits. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... C'est le genre de gars qui va traverser la frontière canadienne pour déclarer des produits, puis quand les agents vont leur poser la question, « Hey, monsieur, avez-vous visité une ferme? »« Ouais, j'ai visité une très, très bonne pâtisserie, par exemple. » Non, non, c'est ce gars-là, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, le vol économique, guys. Oh non. Là, c'est toutes les BS qui ont applaudi. Bref, non, mais c'est ça, vol économique. Entre Olga puis Jean-Michel, le diabétique, c'est fucked up. Non, c'est pour ça que j'ai envie d'être riche, tu vois. Parce que la vie est fucking dure, man. Tu sais, les prix qui augmentent, le loyer, puis tout, c'est fou, là.
L'autre jour, j'étais à la station d'essence, bien tranquille. Hey, c'était tellement cher, le prix de l'essence, c'était marqué 3e chance au crédit. C'est vraiment comme... C'est fou, là. Je rentre à l'intérieur, il y a une madame qui essaie de faire une entente de paiement pour des Doritos. Je suis comme... On est rendu là, là. Tu comprends? Non, c'est tellement fucked up, la crise du prix de l'essence. Même l'autre jour, je devais aller chercher mes nièces à la garderie. Il était comme 15h15. Tu sais, là, je regarde le prix de l'essence, j'étais tellement découragé, j'ai give up. Tu sais, après, comme 20h45, la garderie qui m'appelle, « Monsieur, on peut pas garder vos nièces, là, faut venir les chercher, monsieur. » Là, j'étais comme, « Madame, premièrement, avec tout le respect, je vous dois, 1,85 le litre, c'est tes nièces maintenant. Fuck you, là, tu sais. » Moi, c'est comme ça que je fonctionne, guys. Plus le prix de l'essence augmente, plus le lien de parenté baisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Si jamais tu vois une alerte Amber concernant deux petites filles congolaises disparues, c'est pour des raisons économiques, tu vois, c'est comme... On va attendre que ça descende un peu. J'ai les pétropoints, c'est nice. Non, mais c'est ça. C'est fucked up. Non, surtout pendant la pandémie, je parrainais une petite fille super cute de 4 ans du Ghana. C'était super cute. À un moment donné, j'étais tellement mal pris financièrement, j'étais tanné. J'ai appelé l'UNICEF. J'ai dit, guys, faut me parrainer maintenant. Tu vois ce que je veux dire? La madame au téléphone. Ah, shit. C'est réussi! Yeah. Tu l'as eu? Hey. T'as réussi? Ouais, je voulais juste le punch, mais c'est correct. Ok, tu voulais faire ton punch? Ah, ok, cool. Fait que là, vas-y. C'est ça. La représentante au téléphone qui est comme, « Oh, ouais, monsieur! » Ouais, faut profiter. « Non, monsieur, non, mais, tu sais, on peut pas vous parrainer parce que, tu sais, faut que vous viviez dans des circonstances défavorables et corrompues. » Là, j'étais comme, « Madame, fuck you, je suis africain, j'habite à Verdun. Comme, donne-moi une chance, tu vois ce que je veux dire? » Il y a parrainage marqué sur mon front, là. That's it. Sam, fait combien de temps tu fais ça? Oh man, j'ai commencé en septembre 2015. Ouais. Oh, mais shit! Dans ces 8 ans, ça fait peut-être 5 ans que j'ai pris ça vraiment au sérieux. Ouais. OK. Parce qu'au début, c'était plus pour le fun, tu sais, tester des... Tu sais, si ça, vraiment ça marchait. Puis quand je me suis dit que, OK, je peux faire carrière là-dedans, peut-être, j'ai pris une chance, là. Tu joues-tu plus en anglais? Ben, je fais les deux, dans le fond, mais majoritairement anglais, ouais. OK. Ouais. Tu parlais vraiment vite. On a manqué beaucoup de jokes, ouais. Ah, shit, ouais. C'est la première fois ici. Oui. Ouais. Moi, en fait, je m'en fous de comment tu t'habilles, mais la casquette, on perd tes yeux. Okay. Faut que tu lèves la palette si t'as une casquette. Ouais. Parce que sinon, t'as clairement un regard charismatique qu'on perdait. Ah, merci. Wow, les merci. Esti, j'ai été tard. Non, peut-être mes parents, ils regardent. Oh, les blancs le félicitent. C'est bon, ça. C'est bon. Faut profiter, tu comprends? Mais je vais avoir mon visa demain, c'est nice. Je me disais que tu parlais vite parce que c'était le gang show, c'était 3 minutes, tu voulais tout rentrer. Mais finalement, je pense que tu parles tout le temps très vite. T'as peut-être un mini manque d'écoute avec le public. Ouais. Puis la preuve de ça, c'est que je t'ai jamais dit que tu pouvais continuer ton gag, puis tu l'as continué. Là. Tu l'as pris pour acquis. On dirait que comme sucer le focus de Olive qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Oui. T'es over-focus, ça n'a comme pas de sens. T'es-tu sur le Ritalin ou quelque chose? Ou, est-ce que tu prends du concerto ou du Ritalin? Non, même pas. Ben, oui, je me disais ça aussi, mais en tout cas, non. Mais c'était juste que j'étais trop focus sur le 3 minutes. C'est pour ça que j'étais comme, OK, let's go. Comme, mettre vraiment tout ce que t'as. Puis, c'est pour ça un peu que j'étais comme, je calculais le temps puis tout. Je comprends. Mais c'est super bon d'être énergique et tout, mais tu pourrais être... plus groundé, un peu, une petite affaire un peu plus lente. Yes. Puis ça nous permettrait de mieux comprendre aussi, comme, parce que les gars que moi, j'ai pas compris, mettons, parce que je suis cave peut-être aussi, mais c'est comme que je voyais moins. Puis, mais j'ai pas compris l'affaire des nièces, en fait, de comme c'est rendu tes nièces, parce que le prix de l'essence est trop cher. Ouais, comme tu sais, je suis trop paresseux pour payer, pour aller les chercher, tu comprends? Ouais. Genre, ouais. Ça coûte trop cher d'essence pour aller à la garderie. Ben, j'avoue, fait que je t'y laisse. Mais je suis cave. Ben oui, c'est pas grave. Mais je vais, tu sais, il y a des affaires de même qui sont pour moi comme plus des comme, ben, il me semble qu'il y a des contournements, mais garde, je sais pas, tu peux marcher, te rendre à la garderie, ils sont pas, genre. C'est des blagues! Non, mais je sais bien, mais tu vois, moi, ça me gosse, ça. Fait que, tu sais, si c'était plus lent, j'aurais peut-être plus le temps de processer puis de faire comment? Ouais. C'est un peu vague, mais. Ouais, mais c'est un peu vague, tu sais. Ça marchait. Ouais, mais c'est ça. Je me demande aussi si tu parles pas super vite parce que t'as beaucoup de gags. Et là-dedans, beaucoup de moyens gags. Mais s'ils sont enchaînés énormément vite, on les voit pas. Puis ça va, c'est une chier de petites blagues. Fait qu'on rit, ça va. Mais un gag de l'UQAM avec un gag de Verdun, avec
c'est beaucoup de référents communs sur la pauvreté. Tu fais un ou deux, ça va, mais tabarnak, ouais, c'était cliché à beaucoup de moments. Ouais. Fait que quand tu m'as vraiment eu avec le gag qui n'a pas compris, parce que justement, on voyait que, OK, tu sais écrire, tu joues avec la logique. Ouais. Tout, c'est le fun. Compris? Ça. Ben oui, je l'avais compris! C'était son meilleur gag! OK. Ah, peut-être pas pour tout le monde, mais ce serait ça, l'énergie. Ouais, l'énergie. Mais t'es bon. D'aller doucement, puis ouais. T'as un fou potentiel, puis ça paraît que t'as du métier, là. Ah, merci, j'ai hâte. Merci. Sam de Boy! Non, mais tu prends l'autobus, tu donnes pas tes nièces. tu peux pas donner des nièces. Ah, tu cogales. Comment tu donnes des nièces? Louis, t'as-tu, avant le dernier invité, t'as-tu des petits trucs à plugger? Ben, la troisième saison du Club Soli qui s'en revient. Je pense qu'on dit incestueusement, là. Incestueusement, c'est ça. Qui arrive dans pas long. T'écris sur le show aussi. J'écris sur le show, je joue dans le show. Je suis le moins connu des gars du Club Soli, ouais. On va faire du stand-up, s'amuser. Il y a plein de projets qui s'en viennent, dont on ne peut pas parler, mais qui sont très intéressants, très excitants. Restez, allez voir Instagram, Facebook et compagnie, le Louis. LinkedIn, tout. That's it! Oh oui, mon LinkedIn est bien. Ouais, c'est ça. Dans pas long aussi, conseil informatique. Mmh. J'ai checké le gars tantôt, là. Ouais. Oui! Reste un invité, il reste de l'énergie! Ouais! Tabarnak! Un des réguliers, un des chouchous du Gang Show, mesdames et messieurs, Alex Harrison. Je suis un vieil homme. Ben non. Ce soir, il n'y aura pas de personnage. Il n'y aura pas de l'enfantôme. Il n'y aura pas de frangin bébé. Il n'y aura pas de one-liner. Il n'y aura pas d'imitation double ce soir. Ce soir, ça va être de l'humour dans sa plus simple expression, dans sa meilleure expression. Ça va être du stand-up pur. OK? Fait que, dans le fond, je vais vous parler de moi, là. Moi, quand je suis pas en train de faire des blagues, je suis en train de travailler puis d'écrire des blagues, mais wow, minute! Hey, c'est pas parce que je travaille en écrivant des blagues que je suis un humoriste, non. Moi, je suis un travailleur très humble. Je suis un jeune enfant qui ramone des cheminées. Ah! Ça semble drôle comme ça, mais attendez, c'est un dur métier d'être ramoneur de cheminée. Parfois, on reste coincé, puis les enfants meurent suffoqués. Pour vrai. D'autres fois, à cause du contact prolongé avec la poussière puis le charbon, on développe des maladies respiratoires puis des cancers des testicules. Non, ça semble drôle encore, mais le carcinome du ramoneur, c'est le premier cancer occupationnel qu'on a découvert. Puis ça, c'est grâce à nous, les enfants de la suie. Parfois, il y en a qui restent pris puis qui meurent brûlés. Parce que les cheminées sont encore trop chaudes, mais on les envoie puis... Ironie du sort, les enfants qu'on envoie, ils meurent aussi, puis ça fait juste plus de cendres dans la cheminée. Les gens qu'on envoie pour les ramasser, on dit qu'ils vont les ramonner à la vie, mais moi, ça m'arrivera pas. Moi, ça m'arrivera pas, non. Non, parce que moi, si je suis chanceux, j'aurai jamais d'accident. Puis moi, là, je vais vivre jusqu'à l'adolescence, puis je vais rencontrer une fille, puis on va... puis on va tomber amoureux. Puis ensemble, on va regarder grandir mon cancer des testicules. Mais... I am just a kid. My life is a nightmare. And I know that it's... Oh!
fantôme! Ça fait 3 minutes et 20, là, ça devrait être... Oh! Man, je t'aime tellement, Alex. Là, t'as comme expliqué la naissance de l'enfantôme après avoir fait l'enfant. C'est comme les films Star Wars, ils sont comme pas tous dans l'ordre. C'est le numéro, j'adore ça. J'adore ton kit, Juliette et Chocolat, Magané. J'aime tout ce que tu fais, Alex. Merci. Il est encore dedans. Il est investi, là. Hein? Ouais. Non. C'est parce qu'elle a mis une orange dedans, je suis allergique, j'avais dit de ne pas en mettre. Et plus je tousse, plus je veux boire, et plus je veux boire, et plus je tousse. Ça se peut. Ça se peut. Écoute, c'est... Moi, pour ma part, c'est la première fois que je te vois. Ceci dit, ce numéro-là, j'ai déjà vu Laurent Paquin le faire. La même affaire. Je sais pas quoi dire. J'ai aucune idée. T'sais, mettons comme c'est très contextuel pour moi. J'ai l'impression d'être dans une gang où tout le monde catch de quoi, puis je catch moins là. T'sais, puis puis c'est normal. Je te trouve très très sympathique. Tout ça, c'est il manque peut-être des clés. Puis j'ai l'impression, t'sais, comme pour connaître, puis pour comme naviguer beaucoup dans le milieu de l'humour absurde, puis avoir consommé énormément, puis aider, puis travailler là-dedans, la clé est importante. Puis je pense que c'est peut-être parce que ça fait comme 10 fois que tu viens, puis que tout le monde est habitué, que là, la clé est là. Moi, je ne l'ai pas, cette clé-là, présentement. Puis je suis comme, OK, c'est là, c'est rendu là. Je fais un fret en tabarnak présentement, parce que clairement que... C'est une attaque, là. C'est pas une attaque, c'est plus... J'espère que c'est un conseil de dire, comme si tu veux quand même, mettons, comme percer le gong show, mettons, puis aller ailleurs avec ce genre d'affaires-là, il faut que tu trouves la clé, mettons, que tu peux donner à un public qui fasse comme... En gros, c'est qu'après le gong show, il faut que tu ailles faire Fort Boyard. C'est ça les clés? Oui, oui, c'est okay. Ça. C'était-tu clair? Oui. Il y a comme des filets, OK? Puis tu... Non, c'est que la soirée. Mais c'est ça, je sais pas. En fait, ce que j'aime d'Alex, c'est que c'est un artiste. Il veut pas donner les clés. Il s'en calisse. Il y a comme quelque chose de... Hey, le gars... Non, mais c'est vrai que c'est un artiste. Le gars, je suis allé chez eux l'autre fois dans sa chambre. Écoute, il y a un cendrier. Yo, il est jamais allé dans ma chambre. Il est jamais allé dans ma chambre. Un artiste, ce gars-là. Il est jamais allé dans ma chambre. Il y a un cendrier. Hey, il y a 3 bibliothèques pleines de livres. Des livres usagés. Un artiste, tabarnak. Un pété dans la tête! Menteur, man! Un de pété dans la tête! T'es un poème! On te laisse le mot de la fin, Alex. Merci. Alex Harrison! Merci. Un artiste sensible. Écoute. Même si t'avais pas les dernières clés, t'as-tu aimé ton expérience? J'ai adoré mon expérience. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Merci de m'avoir invité. Merci au public. Merci aux gens qui se sont livrés. Louis Courchain, mesdames et messieurs! Merci d'avoir écouté ça. Et regardez ceux qui l'ont regardé. C'est nous? Quoi? C'était bien mauvais. C'était quoi ça? On regarde ce take-là quand même. Ben, c'est pas mauvais. C'est que regarder, c'est quand tu regardes la télé. Okay. Ou l'ordi, puis écouter, ouais. C'est audio. Ah, OK, on peut pas dire... parce qu'Anthony a pété, puis ça pue. Non, mais on peut pas dire écouter la télé. Okay. On dit j'ai regardé la télé. Ah. Tu peux dire écouter l'ordinateur. Non. Ben, ici, c'est juste l'audio. Ben, ça dépend. Si tu le fais en faisant ta selle, ton ordi est là, puis tu l'écoutes, tu le regardes pas. OK, là, c'est la fin de l'épisode. <Okay, bon, t'es rire> <bon. rire>